The Links a choisi d'être partenaire de l'événement The Bridge, parce qu'on est convaincu qu'étant un acteur majeur du territoire dans le monde du market et de la com, on se devait d'être partenaire de cette aventure entrepreneuriale extraordinaire qui s'inscrit dans le long terme. On est là depuis longtemps, on est là pour longtemps. Donc un projet qui commémore quelque part un centenaire, moi c'est quelque chose qui nous a plu dans le fait de s'inscrire dans cet événement. Le principal rapport que je vois entre The Links et The Bridge, c'est notre quotidien à l'agence que d'imaginer, ou en tout cas d'essayer d'anticiper le monde de demain pour pouvoir accompagner nos clients, les marques, dans cette transformation du monde précisément. Et donc la mission de The Bridge étant de profiter de la traversée pour, entre entreprises, imaginer la place de l'entreprise dans le monde de demain, j'imagine que c'est ce que l'on pourra apporter. Le premier mot, ce serait co-construction. Chez The Links, on croit aux marques vivantes et nous pensons même que seules les marques vivantes sont utiles. Mes trois mots, ce serait anticipation, dimension entrepreneuriale, vivante pour la vie. On va pas se priver non plus d'en apporter un petit peu, pas qu'en journée, mais également un petit peu en soirée avec Valentin. Long terme. Et puis utile. Si d'ici au mois de juin, j'ai le temps de prototyper dans notre Fab Lab quelque chose qui me permette de mieux capter le Wi-Fi, ce sera peut-être ça. Peut-être mes sandales de mer, si jamais je réussis à soit me baigner, soit à réussir à embarquer sur un des ultimes qui est à côté du bateau.